Jacques, bonjour. On m'a dit qu'à Bruxelles, il y avait de super-héros qui se cachaient. Tout à fait juste. Il y a plein de super-héros. Ils s'engagent à côté des citoyens. On ne les voit pas. Ils sont très discrets. Ils sont dans des associations. Mais ils sont là, bien présents. Alors, ils aident au développement durable de la capitale. Ils aident au mieux vivre ensemble avec toutes sortes d'actions. Par exemple ? Eh bien, on les retrouve dans des comités de quartier. Ils accueillent des touristes. Ils aident les enfants à faire leurs devoirs. Ils tiennent, par exemple, aussi, je sais pas moi, les buvettes dans les clubs sportifs. Ils animent des comités de parents dans les écoles. Ils accompagnent des personnes handicapées dans leurs sorties, etc., etc. Il y a plein d'exemples. Alors, en quelque sorte, ces super-héros sont des volontaires, si je comprends bien. Absolument, ce sont des volontaires. Et ça tombe bien, car 2011 est l'année européenne du volontariat. Et c'est pourquoi le gouvernement francophone bruxellois a décidé de confier une mission aux concitoyens bruxellois. Alors, est-ce que c'est une mission secrète? Dites-moi en plus. Ah non, ce n'est pas secret. Il s'agit de faire sortir de l'ombre, de mettre en valeur tous ces volontaires qu'on ne connaît pas, en les signalant. Alors justement, comment peut-on remplir cette mission? Simple, on va sur le site monsuperhéros.be, on répond à trois petites questions très simples, on présente le volontaire et puis deux, trois lignes pour dire ce qu'il fait exactement, pourquoi on le trouve formidable. Alors, dans mon esprit, qui dit super-héros dit super-costume? Oui, alors justement, sur le site, on peut choisir un des costumes du super-héros et mettre la photo du volontaire dans un de ses costumes. Alors justement, si malheureusement on ne connaît pas un super-héros, que fait-on? C'est simple, on va sur le site, on découvre les volontaires et on découvre leur engagement, et puis on vote. Ça peut être éventuellement mon voisin. Ben pourquoi pas? Alors justement, Jacques, à quoi vont servir tous ces votes? Le 19 octobre, un grand événement rassemblera tous les volontaires les plus populaires. On remettra évidemment le prix du public pour la personne qui aura eu le maximum de votes. Et puis un jury remettra aussi un prix. Et on obtiendra donc les deux super volontaires de l'année. Écoutez, alors le rendez-vous est absolument pris. Il ne faut pas oublier d'aller sur le site qui s'appelle monsuperhéros.be. Le rendez-vous est pris. À bientôt, Jacques. À bientôt, Patrick. Merci.